Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor O Ekaflip Sacrier R contre Kra Sram Sadida avec des codes de 4366 sur les trois persos. Alors en face, on a protection de la croquis, Pritech, tacheté entrave du Dragueuf. Ok, bon, il y a de l'optique clairement, du familier légendaire dans tous les sens. Triple Pritech comme toujours. On connaît. Bon, j'ai déjà plus de PM, c'est super. Voilà, sur la map là, ça va être assez sad. Oh, je peux même pas me mettre m'aligner quoi. Bah, je peux rien faire, bah, GG à tous. On va stack les rouages sur le sacri, tant qu'à faire. Je vais me caler. Une prémo assez avancée. Maîtrise. Et puis je vais mettre une petite désynchro sauvage histoire de casser du réseau potentiellement. J'ai fait exprès de vraiment dispatcher mes persos parce que contre un Sadie, j'en ai marre de me faire infecter de persos tout le temps T1, mais du coup je peux. Mon early ne ressemble à rien quoi, c'est un peu le problème. Allez, le SRAM qui va mettre tout le monde pesanteur, j'ai compris. Waouh. Bah, du coup, on peut pas jouer non plus. Ah bah, c'est pas de chance, hein, décidément. Aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que j'irai pas chercher le SRAM? En vrai, non, pas du tout. Y aller comme ça. Ah, j'ai presque envie de rush, mais. Bon, j'ai 117 esquives PM sur le Sacri. Normalement, je devrais pouvoir rush à peu près correctement. Si tout va bien. Je crois que je vais foncer dans le tas parce que sinon je vais jamais m'en sortir. J'aurais pas dû placer les K ici, j'aurais dû finir ici, il me restait des PM, j'ai pas fini le tour. C'est pas très clean. Allez, c'est parti pour se faire saucer, let's go. Je vais avancer au taquet. On n'a qu'une vie, les amis. Soit le Xel au passage, on prend la prémo. Enfin, il n'y a pas de prémo en fait, je suis trop con, je suis en pesanteur, tout va bien. Le Sadie à 19 PM, ça va être compliqué. Bon. Tout le monde est infecté, c'est un kiff. J'ai 0 PM, je suis en pesanteur, que faire? Ça va être compliqué cette affaire. L'odorat de l'Eka était pas forcément très smart, puisque du coup là je vais être en retour d'odorat. Ça peut être un peu complexe. En vrai, je vais devoir. Tac. Je peux pas faire grand chose de plus que ça. Hein. Je vais avancer, hein. Ou alors j'avance pas trop. Genre je vais là. Et je laisse le sacrilé dans le tas. Ça peut être un plan aussi. Ok, il érode le sacri, ça m'arrange presque. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà pris beaucoup de dégâts. Après, normalement, je vais pouvoir aller chercher le Sadi là. Ah oui, il était là. Aux dernières news. C'est d'un no fun son truc.
J'ai 0 PM, littéralement, donc je peux absolument pas bouger en fait. Je vais venir ici, comme ça. Petite roulade PM, j'aurais kiffé. On va taper ici, hein. Miam. Je vais faire un crit, j'aurais bien aimé. Ah bah là, du coup, le crabe va prendre les assaillantes, il va se régaler, c'est bien. J'espère vraiment que le Sadi est toujours à sa place. Sinon, je vais avoir un gros problème. Mais oui, normalement, il n'y a rien qui l'a bougé. Hein. Oh putain. Bah, je suis finito. Attends, j'ai pas compté les PM. 4, 1. Ok, j'ai une chance sur deux. Il est soit là, soit là. C'était un arme, ça me va aussi. Tac. 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 Ah, moi je vois dans les glyphes, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Tiens. Ah, ils font moins les malins là d'un coup, hein. Bon. Ah, donc là je prends une folle maintenant, ok. Bah c'est bien ça. Dac, dac, dac. Quel tour incroyable, hein. On s'amuse, hein. Bon, j'ai fait un gros misplay, c'était de donner la free contagion avec les cas mal placés T2. Ça m'a mis au fond. Sinon, le reste, c'est normal, c'est leur compo, hein. Pas de soucis. Pourquoi la roulette a pas pris de dégâts? Ah oui, parce que c'est un allié. Putain, c'est pas vrai! Oh, ça me met au fond, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors toi, prends. Sadie est là. Bon, j'ai fait un misplay, mais j'ai eu un peu de luck en trouvant le Sadie, donc à la limite c'est pas trop mal, il est ici. On a le cra... Ah bah j'ai 0 PM. Oh c'est pas de chance. Ça c'est vraiment lucky pour le coup. On pouvait vraiment pas s'y attendre, bah GG. Ils sont trop forts. Rien à faire. Bon vous inquiétez pas, ça va être nerf ça. Ils ont annoncé. Le sort n'a rien à foutre dans le jeu. Perso qui te fout moins 100 PM, aucune contrainte de lancer, aucun malus pour lui. Tu sais pas pourquoi. C'est un perso qui n'a pas de distance accessoirement, mais tout va bien. Et bah super hein. Pouf, on s'éclate hein. Alors... Ah bah je sais, on va faire une armée d'invoques. Et voilà, manger mon chauffeur en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Perfusion. On va se muti quand même, histoire de rester en vie un jour. Ou alors on se pilori. Cette pilori sera bien. Genre, y a personne là. Ah bon.
Ce qui est sad, c'est que mon seul perso qui a des grosses esquives PM, c'est le Sacri, mais il a moins 100 PM, quoi, par un sort non esquivable. Donc ça, c'est vraiment pas de chance. Bon, j'en suis. Bon, j'ai mes invoques en fait. Bande de fous furieux. Ce qui est pas de chance, c'est que les percutantes tuent mon perso à chaque fois. Ça, c'est un peu sad. Allez, une tromperie feu, deux tromperies feu. C'est un petit coup de cac en vrai. Pas de crit. Ça booste le Sadie en dommage en plus. Bah, c'est bien vu parce que ça défonce en multiligne. Hein, mais... Pourquoi je suis encore en état lourd là? Ah, je me disais aussi. Oh, je vais pouvoir taper. Oh, j'ai lancé un sort! Incroyable! Incroyable! J'ai lancé un sort littéralement avec le Sacrier. Vous avez vu, hein? Oh, je suis trop content. J'ai lancé un sort avec mon perso et tout. Let's go! En vrai, il suffit d'un bon tour de rock sur le Sadie, il tourne. Faut être positif, hein. Faut être positif. Bon, l'énorme erreur que j'ai faite, c'est de me prendre la fosse commune de T1. Le problème, c'est que maintenant, tous les persos foutent en pesanteur, donc bon. Et les placements de map sont affreux quand en plus tu veux pas te prendre infecté sur tout le monde. Enfin, au bout d'un moment, comment faut se placer sur les maps pour pas se faire éclater tour 1, quoi. Contre ce genre de compo, et avec la mienne, bon. C'est un peu sad. Ah, ça joue Harmonie, d'accord. Bah ok, hein. Nickel, hein. Va quand même falloir taper fort pour faire des trucs là, mais en vrai, si je prends les zones, je soigne le Sadie avec tant qu'à faire, histoire qu'il reste en vie un peu. Et je suis érodé moi, hein. Il y a des moments où je vais lâcher de la pupu, ça va faire bizarre. Hein. Je peux faire un moins un perso. Hein. Moi je dis, tant qu'on a un perso en vie, on n'a pas perdu. De toute façon, maintenant on n'a plus le droit de FF, donc c'est parfait. Le SRAM qui me met un peu dans le mal. Mais tranquille. Oui, bon, ça va, ça se gère. En vrai. J'allais dire j'aurais dû le soigner avant, mais d'un autre côté, moins il a de vie, plus il va taper. Vous rigolez si je vous dis que je gagne le colis? Parce que là, en vrai... Le Sadie, il fait plus tellement de partage de dommages avec grand monde, il va se prendre une pupu, ça va la retourner. Hein. J'aurais limite pas dû soigner le Sekri pour prendre un max de dégâts. Ah, mais par contre, je me fais râle. Ah, ouais, ça va être moins drôle par contre. Ça va être beaucoup moins drôle.
Ok, il me pousse. Tu sais que là, la gonflable, elle tombe. Oh, j'ai 5 PA, vraiment. Ouais, alors ça, c'est un peu triste, par contre. Non, là, je vais venir mettre quelques petits dégâts comme ça, sympathiques. Vraiment, là, je pouvais mettre la pupille avec 2 PA de plus, je crois que je l'ai tué, hein. Ou presque, en tout cas, mais... Je vais venir ici pour le tacler. Le chaf qui me fait de la dinguerie là. Il a 1400 PV, hein. J'ai un Eka full vie, j'ai un Sacri, donc les Sacris ça meurt pas, c'est bien connu. Bon, après le SRAM il est en free gameplay. Ça peut être un peu embêtant. Comment j'ai tout le monde infecté. Si j'arrive à jouer une fois. Ah, la pupu, il prend 1400 la pupu. Pour 4 PA. Après, j'ai encore pas de PA là, c'est terrible. Je vais même pas pouvoir lancer ma pupu, je suis abattu. Je peux même pas lancer ma pupu. C'est compliqué. Oh! Ah bah c'est marrant ça. Alors attendez, il y avait le Sadi là et la folle ici. C'est tout ce que je dois retenir. Le reste, Osef. Continue à m'éroder le sacri. Vraiment, par contre, la pupu, elle va décalquer. Hein, mais je pourrais jamais la lancer en fait. Je prends beaucoup trop de retrait. C'est un peu le problème. Il me vole de la J en plus. C'est quand même pas hyper cool ça. En vrai. Il est là. J'ai récupéré des PA! Incroyable! Qui aurait cru? Allez, 4, moins 4, c'est parti. Il m'en reste 6. Il m'en faut juste 4. Hein. Juste 4, please. Allez, balise tactique. 4 PA, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment tout ce que je demande. 4 PA, please. Ça va être nerf aussi, hein, les percutantes et tout le gameplay là. C'est prévu, c'est prévu. Ok, la curative, ça c'est des PA perdus, ça. C'est des PA perdus parce que je le tue quand même. Ah non, percutante encore. Oh, mais il a fait une percutante sur la... J'ai 4 PA. Tout dans la tête, les amis. Il faut que je trouve le SRAM. Il est où le SRAM? Je vais venir là, tant pis. J'aurais voulu prendre l'émeraude. Ah bah, le chauffeur le savait, il était là. Ok. On se soigne, on se soigne. J'ai eu mes 4 PA, les amis, hein. Vous voyez, il faut jamais FF. En fait, ils ont raison. C'est pour ça qu'ils nous interdisent d'abandonner. Parce qu'ils savent que, peut-être. Peut-être tu peux avoir une pupu qui passe. Bon, par contre, c'est un miracle. Je sais pas comment ils se sont fait pour pas. Parce que là, je suis en 2v3, ça fait 5 tours. Hein, mais. Bon, j'ai vraiment int, hein, le Xel. J'ai fait nimp. J'étais en demi-tilt, j'avoue. J'avoue, j'étais en demi-tilt. Ah, par contre, attendez, je fais genre j'ai gagné. Mais en fait, il a plus de PV, mon sacré là. Oh là là! J'ai un problème de sacrieur là. J'avais pas fait gaffe. Alors. Alors oui. Oui. On va venir contre-coup. Alors non, c'est le moment où il va falloir un peu taper sur le crash, je pense. Est-ce que j'irai pas en full aggro en vrai? Je pense qu'il il peut tempo comme ça le sacri. Je vais essayer de pas donner trop de zones de râle. Il faudrait que je puisse aller choper le cra en fait. C'est surtout ça le concept. Je pense que là je peux survivre. J'ai ma transpo. Moi, j'aurais même pu avancer les quais un peu plus pour avoir un pilier de transpo.
Donc il doit y avoir une balise ici, j'imagine. Ah non, là. Percu. Écrasante, je suis pesanteur, c'est bien. Ok, je vais jamais le toucher en fait, c'est le problème. Où est notre ami le SRAM? Il serait pas par là par hasard. Ok, tranquille. Alors, on va y aller comme ça. Tac. Je sais que je faisais jamais ça, vous me l'avez reproché. Et voilà. Pacte. Pilori. Muti. Je veux juste rester en vie, c'est tout ce que je demande. S'il était encore à droite... Il avait pas bougé. Il avait pas bougé, ce fou. Mais le chauffeur voit... Il a des yeux que je n'ai pas, hein. Pourtant, j'ai des lunettes exopéo, hein, mais... Ah ben non, il était pas là du tout. Ok, on va même pas essayer de comprendre. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon équipe tue le crâne. Je crois que la réponse est oui. Ça dépend ce que me fait le SRAM. Je suis peut-être allé un peu fort, hein, sur la survie du sacré, j'avais peut-être pas besoin de mettre autant. Oh, c'est sérieux. Ouais. Bah super mec, hein. Est-ce que j'y vais ou pas? Après, je peux aussi juste soigner mon sacré, hein. Pas non plus obligé de me prendre la tête, hein, mais... Ouais, non, vas-y, tac. Ah bah non, je peux même pas m'entrechat. On va lui mettre une petite langue râpeuse. Hop, moins 5 PO, in the nose. Bon, le sacré devrait pouvoir aller chercher le SRAM, ce sera déjà ça de prix. Et il a l'air de beaucoup, beaucoup s'amuser, ce cra. Hein. Sacré cra, quoi. Ok. Bon, on va le B, je pense. C'est le meilleur call. J'ai pas tellement d'autres options, là. Puis on va aller chercher notre ami le SRAM. Hein. On est tous pesanteurs, c'est vrai. En vrai, je vais la jouer très safe. J'aurais pu refaire la multi. C'était un peu un misplay de pas l'avoir fait. Vais-je réussir à tuer ce crâne un jour? En vrai, je peux avancer un peu avec la balise là. Souci étant que je n'ai pas de PA. Et ça aide pas quand même. Faut que je le prenne en sandwich. Les cas par le haut, le sacré par le bas, on va l'avoir. Faut y croire. Alors là, je le touche, mais j'ai plus de PA. Donc ça, c'est quand même pas de chance. En vrai. Je pense que je vais juste le rush. Ah, j'aurais pu y aller par l'autre côté, ouais. Je vais aller là, je vais lui mettre une langue râpeuse encore. Le truc c'est que langue râpeuse c'est cumule 1. Hein. Donc en fait là il est à nouveau le malus PO. Oh bah c'est un bon sort ça, c'est bien. Allez j'ai la transpo, je peux peut-être le choper. C'est vraiment un gameplay de colis qui est absolument magnifique ça, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Attendez parce qu'après il y a encore un SRAM qui peut se mettre dans sa brume. Hein. Le combat n'est pas fini hein. Ça peut encore durer longtemps, il faut le savoir. Allez, tac. C'est bien, mec. Ah, c'est vrai que j'ai balancé plus à 2000, j'avais oublié ce détail. Oui, bon. Du coup, ça aide un peu quand même. Tac. Je vais me refaire la muti, tant qu'à faire. Ça servira peut-être pour la suite. Tabasse un peu, le SRAM. Hein. Il tabasse un peu.
Ok, il était là, si j'ai bien suivi. Ok, il est bien là. Il fait des petits pièges, tranquille, ça c'est la vie, moins 1. En vrai, il est soit là, soit là, soit là. Comment on fait? Je vais pas une tromperie fait par hasard. Attendez, j'ai dit où? Ok, je pense qu'il est là en vrai. Non, il est là du coup. Hé hé! Ah, là, ça fait moins le malin. En vrai, je pense que je vais y aller au cac. Attendez, j'ai dit où? Là. On va se planquer un peu. Okay, j'aurais pas dû me planter en vrai, je suis con. Que je le touche pas, donc ça c'est un peu triste. Okay, je sais, je peux aller là, faire ça, ça. Faut pas que j'oublie le pacte aussi, sinon je peux avoir un souci. On va y aller comme ça. Je peux le relancer mon pacte ou je peux pas là? 1400. Je crois que je crève si je relance, non? Je suis dans la merde en fait. Ouais, c'est ça. J'avais pas trop d'autres alternatives. J'avais plus de PV. J'aurais dû le soin en fait, j'ai été con. Avec mon écaille, il fallait que je soigne mon sacri. Et comme ça, je pouvais relancer le pacte. Je suis trop con. Du coup, maintenant, on est en train de faire un vrai 1v1 là. Contre un truc invisible là, c'est ma vie. Il a 2200 PV, je vais jamais gagner. Il va me détruire. C'est hyper grave ce qui se passe. Ok. Alors là, c'est le moment où il croit que je vais le chercher, alors qu'en fait, moi, je vais juste me full setup pour la suite, évidemment. Tac, tac. Il n'y a pas de réseau, là. Pourquoi il y aurait un réseau? Ouais. Faire un chaton. Je vais faire notre chat ici. Et un chauffeur. Normalement, je crois qu'il y a un moment où ça va s'arrêter son machin là. Ah, le chauffeur tape mon chaton, il le met mid-life. D'accord. Donc là, c'est la vie que je mérite pour mon 1v1 contre un SRAM. Écoutez, parfait. Bon, j'ai abusé avec le sacré, j'aurais jamais dû le perdre. En plus, j'ai été une punition, le SRAM c'était fini, hein, c'était terminé, hein, mais bon. Donc là, il va se barrer jusqu'à ce qu'il puisse relancer sa brume, c'est ça le concept? Je crois, ça y ressemble, hein. Ça ressemble beaucoup au concept. C'est complètement ce qui est en train de se passer. Je sais ce que je peux faire, je peux y aller comme ça. Bon, je m'expose, je me fais tabasser. Mais le chauffeur est sérieux à taper mon chaton comme ça? Il va le tuer, j'en peux plus. Donc mon sacré qui meurt comme une merde, il a fait deux chauffeurs crit. Mais mon Eka qui a besoin de gagner le combat là, il fait un chauffeur qui tue mon chaton. Compliqué. C'est très compliqué. Ça serait bien que je puisse le taper le SRAM là, par exemple. Au pif, hein. Eh ben oui. Évidemment, c'est pas aussi simple. Je me fous le soin. Je serais bien tenté de lui mettre une arachnée, mais il va encore m'arriver une dinguerie. Je vais me prendre un peu de soin d'une cabotte. Ah, c'est l'épidémie qui défonce comme ça en zone à chaque fois. Enfin, c'est ça de ouf.
Je peux même pas voir les effets, mais... Techniquement, il suffirait... Attends, je rêve ou j'avais la... Ouais, non, j'avais pas la ligne de vue, on est d'accord. Problème, c'est que j'ai... Autant j'ai beaucoup... Ok, alors là, il va falloir être concentré, là. Ok, il est là, 3 PM. 3 PM, 3 PM, 1 PM. Ok, donc il est là, ou là, ou là. Pourquoi je peux pas cliquer? Je peux même plus montrer des cellules, là, c'est ça? Il doit être par là. PV. Ah ah, le chauffeur qui tape son double. Il était donc là ou là. Ok, c'est bon, j'ai le droit de montrer des cellules maintenant, quand c'est plus mon tour. Là, il est là. 5 PM. Là, tout se joue à il faut que je trouve où il est. C'est juste ça. 5, 5, 5, 5. Ah, il va se décaler au piège. 1. 1. 1. 1. 0. Ok. Mon call, c'est qu'il est par là. J'ai une chance sur deux. 800 PV, je les fais pas. Je fais une bonne étoile. Je me contre-coup. Est-ce que je viens à son cac ou pas? Oui. Il était là, je savais qu'il était là. Il est ici. J'ai le contre-coup. J'aurais même pu me faire... En fait, j'aurais pu mettre un coup de cac, mais j'étais pas du tout sûr de le tuer. Ok, fausse commune, donc c'est reparti, il va faire ça en boucle. Pose insidieux. Faut bien que je regarde mes dégâts. Il faut que je puisse lui mettre... deux bons gros crits. Dommage que j'ai pas fait... J'aurais peut-être mieux fait de faire la roue de la fortune au tour précédent. Ok. Piégerai pu, c'est bien vu. Mais je passe le kill. Et là, c'est là qu'il fallait pas aller à droite, je pense. GGE, trop fort. Mais on a été meilleur. Bah écoutez, c'est un plaisir le PVP comme ça là sur Dofus en 2021, non? On s'amuse bien, hein, c'est des petits combats de 33 minutes. Ah, c'est des bonnes compos quoi. Tu vois les ennemis, t'as plein de PM, tu peux lancer tes sorts, la map est pas trop grande, vraiment, j'ai adoré. Un pur régal, écoutez, j'ai adoré partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi, bah, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi j'arrête là, c'est bon, j'ai ma dose, bonne soirée.